commencer la séance. Donc pour cela, on va commencer à échauffer. Donc on vient se mettre en position planche. On pense toujours à bien rentrer le ventre, bien contracter les fessiers au maximum. Attention à ne pas avoir le bas du dos trop creusé. On contracte les fessiers. Allez, on commence à mettre un petit peu de tension au niveau des épaules, des jambes. On échauffe tout doucement le corps. On souffle bien. Et quand on souffle, on essaye d'aspirer le ventre. Allez, on souffle bien. Et allez, maintenant on va commencer à compliquer un petit peu plus. On va créer un déséquilibre avec nos différents membres. Attention à ne pas creuser le bas du dos. On rentre bien le ventre. Et on change de position. On pense toujours à garder le dos bien droit, le regard bien fixe sur le tapis. Allez, on rechange de côté. On commence tout doucement pour échauffer le corps. Allez, on rechange. Si vous avez mal, n'hésitez pas à passer sur les genoux. Si vous avez des douleurs au niveau du poignet ou au niveau des avant-bras ou des épaules. Allez, on ne pose pas le bassin au sol. On vient se mettre directement en position gainage. On tient la position. Et on va venir tout doucement chercher le plus loin possible le sol là-bas en gardant le bassin bien stable. Et je reviens. Allez, maintenant je viens au niveau de mes pieds, je garde le bassin stable et je viens chercher le plus loin possible. Et maintenant le plus loin possible de l'autre côté là-bas, comme si j'allais chercher le sol, je lève mon bassin. J'essaye de venir toucher le sol. Et je reviens. Allez, je reviens au niveau de ma main cette fois-ci. Je vais chercher le plus loin possible. Allez, cette fois-ci, sous mon corps, je viens chercher en bas. Mon bassin ne bouge pas. Je vais chercher le plus loin possible derrière, tout en restant bien stable. Je remonte et là, je vais faire des tout petits mouvements avec mon bassin. Je monte, je descends tout doucement. Allez, tout petits mouvements. On souffle bien, on rentre bien le ventre, on contracte les fessiers, on reste en haut. Si on a du mal, on peut poser le genou au sol, le genou gauche dans mon cas. Et là, je vais venir petit mouvement avec la jambe. On en fait 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Je repose tout doucement. Je change de côté. Donc toujours pareil, si vous avez du mal en position latérale, n'hésitez pas à partir avec le genou au sol et décoller juste votre bassin. Allez, je suis ici pour commencer. Je pense toujours à bien rentrer mon ventre, bien contracter mes fessiers. Et allez, je viens chercher le plus loin possible. Regardez, mon dos ne bouge pas. Allez, le plus loin possible vers le bas. Allez, le plus loin possible derrière. Là, cette fois-ci, regardez, mon bassin monte. Et je vais chercher le sol. Allez, je reviens chercher. Et là, je viens chercher sous moi. Je reste bien stable. Donc, on apprend vraiment à contrôler les abdos avec les différents mouvements du corps, les différents plans. Et allez, je reste en haut. Je viens faire des tout petits mouvements avec mon bassin. Je monte, je descends tout doucement. Je contracte bien mes fessiers, je rentre bien mon ventre. Là, on travaille vraiment sur les obliques, la chaîne latérale. Et allez, on vient faire 5 mouvements. Je monte et je descends. 2, 3, 4 et 5, tout doucement. Et je redescends. Allez, on vient se placer au sol cette fois-ci. Dans cette position, je décolle les omoplates du sol, je rentre bien le ventre et je vais venir tendre une jambe et fléchir l'autre. Au niveau de la tête, j'essaye de regarder le plafond. Si j'ai des douleurs au cervical, je peux venir mettre mes mains derrière et je force avec ma tête contre mes mains. Allez, je tiens. On rentre bien le ventre, on souffle bien. Allez, pensez à bien contracter les abdos.
Allez, on décolle un petit peu plus là. Allez, on tient bien. Et là maintenant, les deux jambes à la fois. Je tends et je reviens. Je tends tout doucement et je reviens. N'hésitez pas à mettre les mains derrière la tête si vous avez des douleurs au niveau des cervicales. Allez, on souffle bien, on tend les jambes. On souffle en tendant les jambes et on rentre toujours le ventre en soufflant. Allez. Et allez, on reste en haut cette fois-ci, on tient la position, je rentre le ventre au maximum, je tiens, j'aspire le nombril. Et je viens mettre les mains vers l'arrière sans toucher les omoplates avec le sol. Et je tiens la position, je souffle, je rentre le ventre. Je relâche tout doucement, mes omoplates ne touchent toujours pas le sol, je mets ma main droite derrière la tête et je viens chercher tout doucement ma cheville gauche en gardant le bassin bien stable. Allez, on travaille bien les obliques, ce mouvement-là il est plus facile en principe. Allez, on souffle bien, on rentre le ventre tout doucement. Allez, respirez bien. On vient bien chercher. Donc ce mouvement-là, il est très important, surtout sur des mouvements de rotation au niveau des lombaires. On a tendance à créer des douleurs. Donc les obliques vont justement protéger ces mouvements de rotation. Donc là, hyper important. Allez, on vient bien chercher sur le côté. Allez, on rechange. Donc on va vraiment enchaîner tous les exercices sans repos. Justement pour essayer de bien solliciter nos abdos profonds, nos abdos posturaux. C'est dans la difficulté qu'on va venir les travailler. Essayez de toujours garder la bonne posture. Allez, on accroche. Ça va commencer à brûler. Et allez, on pose la tête au sol, on relâche, on tend les jambes. Et là, tout doucement, je descends une jambe et je remonte l'autre. Tout doucement, je garde bien les lombaires plaqués au sol. Donc, si vos lombaires se décollent, on fait des tout petits mouvements. Pas la peine d'aller chercher jusqu'en bas. Allez, on souffle bien en tendant la jambe. Et j'inspire en montant. Allez, on enchaîne bien, on tient, courage. Allez, cet exercice-là, il n'est pas facile, je sais, mais il est important. Allez, on souffle bien. Et maintenant, on descend tout doucement avec les deux. Les deux pieds ne se touchent pas. Et je remonte. Allez, tout doucement. On souffle en descendant. Et j'inspire en montant. Allez, je sais, ça commence à brûler. Allez, gardez les lombaires bien plaqués. N'allez pas chercher trop loin. Ne déclenchez pas de douleur au niveau du bas du dos. Au contraire, on travaille la posture du dos. Et là, maintenant, on descend tout doucement. Et dès qu'on sent le travail abdominal, on tient la position. Allez, statique, on rentre le ventre. On souffle au maximum, on tient. Allez, on descend à peine un petit peu plus et on tient ici. Allez, on souffle. Allez, on remonte un petit peu, on n'est pas à la verticale. On souffle bien, on rentre le ventre. Allez, ça commence à bien brûler. Et on redescend tout doucement et on tient ici. Allez, on souffle. Et allez, on redescend un dernier coup ici, on tient. On remonte tout doucement.
On tient ici, on n'est pas encore à la verticale. Et allez, on redescend les jambes, on respire. On garde le bas du dos bien plaqué. On repart sur un exercice plus simple. On tend la jambe et on fléchit l'autre, bras tendu. Je me concentre vraiment sur mes lombaires. Je rentre bien mon ventre. J'apprends à travailler mes abdos avec mon bas du dos. Prendre en considération ma courbure lombaire. Surtout si vous avez le bas du dos creusé, cet exercice-là, il est essentiel pour vraiment essayer de lutter justement contre avoir une hyperlordose au niveau des lombaires. Ça veut dire un bas du dos trop creusé. Donc allez, soufflez bien. Allez, encore un petit peu. Allez, ça brûle en principe au niveau des abdos, c'est normal. On met de l'intensité. Et maintenant, on complique un petit peu, on tend les deux jambes à la fois et on revient. On souffle bien. Le but, c'est toujours pareil, de ne pas faire le plus d'exercices possible, mais vraiment d'exécuter l'exercice le mieux possible. Allez, on souffle bien. Et on revient. Et on revient tout doucement. Allez, on repose. On vient passer cette fois-ci en gainage. Je me mets bras tendus, je rentre le ventre, je contracte mes fessiers. Et là, je viens fléchir un genou, dos bien droit. Attention à ne pas être ici, mon dos est droit. Je fléchis et je tends la jambe. Mon dos ne bouge pas. Je travaille ma sacro-iliaque et articulation essentielle au niveau du bas du dos. Allez, on souffle bien. Allez, soufflez le plus longtemps possible en rentrant votre ventre. Allez, on change de jambe. Allez, je sais que c'est pas facile, on accroche, c'est bientôt fini. Et on relâche et maintenant, on vient travailler un déséquilibre au niveau de notre membre supérieur. Je garde le bassin stable et je viens toucher à gauche et à droite. Si c'est difficile, je passe genou au sol, il n'y a aucun souci. Allez, on souffle bien. Allez, on rechange. Essayez de ne pas faire une rotation au niveau du bassin, de garder vraiment votre bassin stable et vraiment forcer, écraser avec le sol. Allez, on rentre bien le ventre. Et allez, on revient en position planche ici. On tient et on va essayer maintenant de tendre un bras. Si on n'y arrive pas, on passe sur les genoux, le dos reste bien droit. Je contracte les fessiers. Et je change de côté, pousse vers le ciel. Allez, je change encore. Genou au sol, si c'est difficile, il n'y a aucun problème. Bras bien tendus. Et allez, je viens passer sur le côté. On accroche, bassin bien stable. Et je viens chercher vers le bas comme on a fait tout à l'heure. Et je remonte. Allez, on en fait 10. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On tient, on lâche pas. Et maintenant, on vient amener le coude fléchi. Et on tend la jambe. Allez, on en fait 10. 1, 2. Passez le genou opposé au sol si c'est dur. 3, 4, 5, 6. Le bassin ne bouge pas, je reste bien stable. 7, 8, 9 et 10. On relâche. On change de côté. Allez, on vient ici. On décolle et on recommence les 10 petits mouvements. 1. 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9 et 10. On reste en haut et on repart ici, on en fait 10. 1, 2, 3, 4, 5, soufflez bien, 6, bassin bien haut, 7, 8, 9 et 10. On relâche. Allez, on finit par un dernier exercice pour bien se recibler vraiment sur le travail lombaire, abdominal. Allez, on vient ici, on tend les jambes et allez, main au sol, je rentre le ventre et je viens descendre et monter. On finit, on cible. Exercice difficile justement pour travailler ces abdos profonds qui stabilisent votre dos. Allez, petit mouvement. On rentre bien le ventre. Allez, les deux à la fois. Cette fois-ci, je descends et je monte. Tout doucement, je maîtrise, je contrôle. Je ne déclenche pas de douleur au niveau du dos. Mes lombaires sont toujours plaqués. Et maintenant, je fléchis, je descends en bas. Je fléchis, je tends et je redescends. Allez, je fléchis, je tends et je redescends. Allez, c'est bon pour aujourd'hui. J'espère que la séance n'a pas été trop difficile. Je vous souhaite à tous une bonne journée et on se retrouve très bientôt sur Pam's Therapy pour une nouvelle séance. Allez, au revoir.